Tu as certainement entendu parler du voyage nocturne du Isra de Mohammed et peut-être plus encore de son mirage, son ascension céleste. Que nous dit le Coran à ce sujet En ce qui concerne l'Isra, la principale référence... Est celle du verset 1 de la sourate 17, où il est dit Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, du lieu de prosternation bien protégé jusqu'au lieu de prosternation éloigné. Le verbe utilisé dans ce verset renvoie à la racine S-R-Y, qui nous donne le verbe irrégulier Sara, qui signifie effectivement voyager de nuit. Dans l'environnement très chaud, le jour de l'Arabie, les voyages de nuit étaient fréquents, notamment durant les périodes où les parcours étaient éclairés par la lune. Le verbe utilisé dans le verset 1 de la Sourate 17 est ce qu'on appelle un factitif, c'est-à-dire le fait de faire voyager et non pas de voyager de sa propre initiative. Comme cela est dit dans d'autres passages du Coran, notamment concernant Moïse, qui doit faire sortir son peuple d'Égypte. Comme dans Coran 20, 77, ce qu'on appelle isla est le nom verbal du verbe Asra, autrement dit le fait de faire voyager de nuit. L'interprétation de ce verset a donné lieu à une immense littérature dans le monde musulman pour s'efforcer de comprendre à quoi renvoyer le point de départ et le point d'arrivée du voyage que son Dieu fait effectuer. Mohamed concernant le point de départ l'expression masjid désigne étymologiquement le lieu où on se prosterne ce lieu est protégé et c'est une des manières de désigner le lieu sacré de la Mecque par contre le lieu de prosternation éloigné qui est le but du voyage est assimilé par toute la tradition musulmane à la ville de Jérusalem on est pourtant étonné de ne trouver dans le Coran aucune référence à cette ville. Alors, l'hypothèse historique à partir du texte du Coran lui-même conduit à une autre destination, qui serait celle du lieu où Moïse a reçu son inspiration avant d'aller affronter Pharaon. C'est là que son Seigneur lui rend visible le grand signe. C'est ce que tu trouves en 79:20. Or, il se trouve que dans le verset 1 de la sourate 17 le serviteur qui est transporté de nuit pour que lui soit rendu visible nos signes. tu vois qu'une hypothèse historique basée uniquement sur le texte du Coran peut conduire à poser des questions qui entrent en contradiction directe avec les interprétations données au texte dans des contextes de croyance et d'interprétation postérieures on n'a pas parlé jusqu'à présent du mirage de Mohammed, dans la mesure où on n'en trouve aucune trace dans le texte du Coran. Nous aurons l'occasion d'expliquer pourquoi, du point de vue du Coran, toute ascension humaine à partir de la terre est vue comme totalement impossible. Il faut savoir que, comme dans le cas des autres religions, l'histoire nous apprend que la croyance et ses représentations ont été... Évolutive à travers le temps pour s'adapter à des situations et à des enjeux différents. À très bientôt.